Donc ici, on vous donne un tableau et on vous demande de faire une représentation en diagramme de ce tableau. Donc on vous demande de prendre 1 cm pour 2 personnes. Là, mes petits carreaux font... Enfin, on vous demande de prendre un carreau pour 2 personnes. Mes carreaux ici font 0,5 cm, donc c'est un petit peu petit. J'ai préféré prendre 2 carreaux pour 2 personnes. Voilà. Alors, ici, comme vous le voyez, j'ai déjà préparé le repère. Donc, 2 zéros ici, je vais avoir les moyens de transport. Donc, à pied, à vélo, en voiture, en bus. Donc à chaque fois, vous voyez ici, je prends 1 cm pour à pied, donc ma colonne va monter comme ça. Je laisse 1 cm, je prends 1 cm, enfin 2 carreaux pour à vélo. Alors, si c'est des grands carreaux, vous pouvez prendre un seul carreau, hein, ça suffit. Je laisse de nouveau 2 carreaux, je prends 2 carreaux pour en voiture et je vais monter, et pareil pour le bus. Donc après, ben, on montera jusqu'à la valeur qui est indiquée ici dans notre tableau. C'est-à-dire, par exemple, pour à pied, on doit monter jusqu'à 18. Ici, en ordonnée, nous avons le nombre de personnes. Donc, on commence à 0, 2, 4, 6, 8, 10. Il faut que ça soit très régulier. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Notre tableau, la plus grande valeur, c'est 26, donc ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Bien, alors pour à pied, on doit monter jusque 18. Donc, je pars ici de 0 et je vais jusqu'à 18. Donc, je dois monter jusqu'ici. Alors, je le fais un petit peu plus précisément avec la règle. Voici. Voilà. Donc ça, c'était en rouge. Je le laisse en rouge. On peut faire des hachures au lieu de colorier. On peut colorier si on a le temps et des crayons de couleur. À vélo maintenant, on doit aller jusqu'à 8. Donc là, je ne monte que jusqu'à 8 et je me mets bien en face de vélo. À vélo, je serai à 8. Donc là, je laisse 2 carreaux et je reprends mes vélos. Le vélo, c'est écolo. On va donc le mettre en fer. Ensuite, en voiture, là, nous avons 20 réponses pour la voiture. Donc ici, je me place en face de 20 et je redescends jusqu'aux voitures. Voilà pour la voiture. Et enfin, en bus. Ici, c'est là où on a le plus de personnes. On doit aller jusque 26. Donc, je me place en face de 26. Je remonte ici. Et voilà. Et comme vous pouvez constater, la hauteur de mes blocs ici est tout à fait proportionnelle au nombre de personnes qu'il y a ici.